Salut à tous! Vous écoutez le plopcast parce que la culture pop, c'est pas pour les cochons! La pop culture va-t-elle disparaître? Je me suis posé la question il y a quelques semaines en discutant avec une copine sur Twitter. Spécial dédicace donc à Error System, n'hésitez pas à la suivre. Dans cet épisode du Plopcast, on va attaquer cette question de la disparition ou de la survie de la culture pop sous trois angles. Celui des créateurs, celui des supports, et celui de l'histoire. Tout d'abord, les créateurs. Après tout, c'est avec eux que tout commence. Si Johnny Hallyday est un exemple de la ténacité moyenne de la star pop française, alors la pop culture part chez nous a déjà 60 ans. Est-ce que ça veut dire qu'elle est plus proche de la fin que du début pour autant Si les grands créateurs devaient disparaître, est-ce que toute la culture pop que nous aimons tant disparaîtrait avec eux Après tout, sans Tolkien, pas de nouveau Seigneur des Anneaux, sans Kevin Smith, pas de nouveau Jay et Silent Bob, sans Miyazaki, plus de Miyazaki. Et pourtant, Walt Disney est mort depuis un petit moment, et son empire se porte bien grâce à ceux qui ont pris sa relève. Michael Jackson est mort en 2009 et Sony sort ses nouveaux albums pour la promotion de son dernier smartphone. Le rappeur Tupac est mort en 1996 et il a pourtant donné un concert à Coachella en 2012. Héritage culturel, étalement des sorties ou avancées technologiques, les créateurs qui nourrissent la pop culture ne semblent pas près de disparaître. En fait, si on se base sur l'explosion des plateformes d'hébergement de contenu en ligne sous quelque forme que ce soit, leur nombre serait même en constante augmentation. Si la pop culture ne risque pas de disparaître par manque de créateurs, c'est peut-être du côté des supports qu'il faut porter notre regard Après tout, nous stockons de plus en plus de données sur des supports informatiques de plus en plus petits et de plus en plus spacieux depuis plusieurs décennies maintenant. Au rythme où nos disques durs nous lâchent, toute la culture que nous stockons sur ces derniers ne risque-t-elle pas de disparaître avec ce serait possible si les supports qu'on utilise pour conserver des données étaient vraiment si périssables que ça. Certes, un disque dur acheté dans le marché a 90% de chances de servir sans problème pendant environ 3 ans, après quoi sa fiabilité commence à décroître, selon une étude de l'entreprise de stockage en ligne Backblaze. Mais certaines bandes magnétiques peuvent stocker des données sur 15 voire 30 ans, un chiffre avec lequel rivaliseraient les cartouches du jeu E.T. Récemment retrouvées au Nouveau-Mexique et dont certaines sont encore jouables. Elles auraient été enterrées selon une légende urbaine par l'éditeur Atari en 1983, suite au fiasco commercial de ce qu'on appelle encore le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo. Mais ces cartouches de jeu Atari, qui a encore une console pour les lire, à part quelques amateurs Et les disquettes 5 pouces 1/4 ou 3 pouces et demi Les cassettes 8 pistes et autres VHS en France, l'association MO5 conserve non seulement jeux, mais aussi consoles qui permettent de les lire et téléviseurs qui permettent d'y jouer. Des institutions comme la Gaieté Lyrique, la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris ou le MOMA de New York travaillent également à la conservation de l'ensemble de cet écosystème avec des collections vidéoludiques permanentes ou temporaires. Au final, est-ce qu'augmenter le nombre de créateurs ou construire et conserver contenu et support suffit pour perpétuer une culture L'histoire n'est pas encourageante de ce côté. Il suffit de regarder un épisode de Mad Men, série américaine reconstruisant les années 60, grosso modo l'époque où Johnny Hallyday commençait sa carrière, pour se rendre compte des différences entre notre culture contemporaine et celle de Don Draper. Le pire ennemi de la longévité d'une culture, pop ou pas, c'est peut-être tout simplement l'évolution culturelle. Remontons à la langue anglaise telle qu'elle était juste avant William Shakespeare. Les sons de l'Old English, pourtant familiers, sont complètement incompréhensibles pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Si on peut encore comprendre Beowulf en Old English, ou les graffitis retrouvés sur les murs de Pompéi, ou les hiéroglyphes égyptiens avec l'aide de spécialistes, un coup d'œil sur les échantillons de linéaire A encore intraduit aujourd'hui suffisent pour comprendre qu'on a encore du chemin à faire dans la compréhension de notre propre passé face à l'évolution culturelle. Le linéaire A est un fragment de texte qui daterait de 1900 à 1400 ans avant Jésus-Christ. Alors, 4000 ans environ, ce serait la date limite de conservation d'une culture, quitte à ne plus la comprendre? En fait, les plus anciens documents humains qui nous soient parvenus sont les peintures rupestres de la caverne Del Castillo, qui remontent à plus de 40 000 ans. Comme quoi, le dessin simple, c'est durable. C'est peut-être finalement vers de telles alternatives que se tourneront les projets comme le Waste Isolation Pilot Plant, qui tente de trouver un langage durable pour prévenir les futures générations du danger de l'enfouissement des déchets radioactifs à 10 000 ans de notre présent. La pop culture disparaîtra peut-être, comme de nombreuses autres cultures avant elle, mais on peut toujours se consoler en se disant que nos lointains descendants partageront peut-être avec nous les comic strips de XKCD par Randall Monroe. Les blagues sur les chats et Cory Doctorow passeront peut-être un peu moins bien, mais au-delà du temps qui nous sépare, au moins on rira tous ensemble. Si vous écoutez cet épisode depuis The Internet Archive ou YouTube, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dans la description le lien vers l'article correspondant sur le site avec toutes les ressources citées aujourd'hui. Vous y trouverez également le lien vers les différents assets utilisés dans cet épisode ainsi que les licences sous lesquelles ces derniers sont distribués. Vous avez des questions ou des commentaires Venez nous dire tout ça sur Twitter, leplopcast ou par email, gmail.com. À la prochaine